qui est donc Ben Abdelmalek Ramdan, que l'ancienne ville Wilis, actuelle Moustaganem, et dont il est natif, et l'une des principales places d'Oran porte le nom. En avril 1953, on retrouve son nom évoqué lors du congrès du MTLD quand Ben Abdelmalek Ramdan lit un rapport réclamant une force de réserve paramilitaire identique à celle de l'OS démantelée par la vague d'arrestation d'avril 1950. Ensuite, il fréquente un appartement situé 7 rue Montaigne-Carteau, qui est un des lieux privilégiés de rencontres et réunions des cadres d'Oran, Benalla Hajj, Boussouf Ben Mhidi et Rabah Bitat. Ces cadres fréquentaient en outre le restaurant au Petit Chez Soi, appartenant à Khouja, rue Marcel Cerdan, ou chez Boubou, à la rue Philippe. En juillet 1954, une organisation dont les prémices allaient naître en Oranie dès le mois d'août 1954, lorsque Ben Mhidi Silhouweri, assisté de Benalla Hajj, Zabana et Ben Abdelmalek Ramdan, prend de multiples contacts, notamment avec les anciens membres de l'OS. Le 14 août 1954, Zabana dépêcha un émissaire à Oran en vue de rencontrer Benalla Hajj, qui devait le charger d'accueillir à la gare Saint-Lucien Ben Abdelmalek Ramdan. Le soir même, vers 21h, une réunion regroupant Zabana, Ben Abdelmalek et plusieurs militants a lieu au bord de l'oued de Zahana. Ils prêtèrent serment sur le Coran dans une maison appartenant au militant Guédir Mohamed. Le groupe d'Oran se réunit à la gargote de Boubou dans l'écurie Montourou, à la ville nouvelle et au domicile de Fizi Salah, au 60 rue Gabriel Faure à Medioune. Le 17 août 1954, le groupe se réunit au domicile de Benalla et on parle déjà de composition chimique pour les bombes. Début septembre 1954, première séance de formation de tir à Sidi El-Houairi et des entraînements militaires au Mont Mordjadjo. Ben Abdelmalek récupère à l'avenue Lamur du matériel de soudure dérobé par Zabana à la cimenterie de l'Acadou. Premier novembre 1954, déclenchement de la lutte armée. Le 4 novembre 1954, les services de police judiciaire de la PRG et la gendarmerie tendent une embuscade où ils tombent au champ d'honneur en compagnie de Borji Ammar. Toutes ces informations sont tirées du livre de Mohamed Freha, 3 du mouvement national à la guerre de libération 1954 à 1962, tome 1, édition El Oulfia.